Falschung hierher. Durch die Landung in Algerien versucht der Feind in Nordafrika einzufallen. Gestärkt durch die Sendung, die uns Volk und Führer anvertraut haben, stoßen wir nach Tunis vor. Zum Sieg! 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 Le trèfle et le cœur. À l'aube, les forces de libération ont débarqué en différents points du territoire de l'Algérie et du Maroc. Ces forces comprennent des unités d'infanterie appuyées par des colonnes blindées. Elles sont soutenues par des navires de guerre alliés croisant au large. Les unités de la flotte française, en particulier le cuirassé Jean Bart, assurent la protection. Les Américains ont débarqué. Enfin, arrêtez. Arrêtez. Les Américains ont débarqué. Établi par le haut commandement. Seuls quelques points de résistance sont à signaler. Nous demandons instamment à tous les Français dignes de ce nom, où qu'ils soient en Afrique du Nord, de ne rien faire qui puisse entraver la libération du territoire. À Tunis, messieurs, on écoute encore la voix de la France. Permission. Tu me permets pas? Non, et toi? Moi non plus. Bon, je te retrouve tout à l'heure. Où? Ben, chez toi. Non. Viens. Viens, on va bien. Dis, dans combien de temps? Dans combien de temps? Quand je pourrai, tu me fais marrer. Bon, alors on se retrouve à l'église. D'accord, moi en attendant, je vais là-bas.
officiers. Soutenus par les ennemis de la France, les aventuriers et les traîtres veulent, par la violence et l'agression, occuper une fraction du territoire national. À la force, nous allons répondre par la force et faire face à l'envahisseur. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, l'homme qui nous a sauvés deux fois, fait appel à vous. Dans les circonstances douloureuses que traverse la patrie, rassemblons-nous derrière lui. Pour nous, il n'existe qu'un seul gouvernement, le gouvernement légal. Qu'un seul pouvoir, celui qui a été investi sur le sol français, et qu'un seul siège de la patrie, Vichy. Officiers, des affectations vont vous être données, des missions vont vous être confiées, et des ordres devront être exécutés. Pas d'alternative, un seul souci, obéir, un seul but, servir. Vive la France, vive le maréchal.